Bonjour, moi c'est Angélique Tasca. Je suis l'auteur d'un roman historique, Le Juge, qui relate l'histoire d'une jeune fille, Ava, qui va être forcée de se marier avec le juge Thorburn. C'est un être sadique, très méchant, autant par ses actes physiques que psychologiques. La pauvre Ava n'est pas. Est en de très mauvaises mains, mais c'est en même temps dans ce contexte qu'elle va se lier d'amitié avec Isla, qui va devenir non seulement sa meilleure amie, mais finalement la seule amie qu'elle ait jamais eue, et surtout qu'elle va rencontrer l'amour qui n'est autre que le fils du juge. Il est publié pour l'instant en version numérique sur toutes les plateformes classiques, Amazon, la Fnac, Play Store, etc. Sous la maison d'édition Arambo, et la version papier est normalement attendue pour cet été. Sinon, moi, je suis maman de deux petites filles, dont une qui vient d'avoir 1 an, et je tiens une boulangerie-pâtisserie avec mon mari. Maintenant, je laisse place à la lecture, et en espérant que ce passage va vous plaire. Donc, je lis tout simplement le début, comme ça au moins. Ce fut l'odeur qui me marqua le plus. Le souvenir d'une belle journée de printemps me revint. Avec quelques voisins, lorsque j'étais enfant, nous nous étions rassemblés pour un dîner improvisé autour d'un cochon sauvage, chassé le matin même. Le gras coulant sur les braises incandescentes faisait ce bruit distinctif d'expiration, avec cette odeur de grillé qui s'en dégageait. Dieu, comme j'avais aimé cette journée et ces cris de joie. Elle ne s'était finie que le lendemain, au petit matin, à cause de la pluie venant nous tremper jusqu'aux os. Une façon brutale de nous rappeler que toute chose a une fin. Voilà qu'aujourd'hui, cette même odeur emplissait l'air, et il me sembla qu'elle ne quitterait jamais mes narines. Il y avait aussi des cris, mais ils n'exprimaient pas la joie. C'étaient des hurlements dégoulinant de haine, ou suppliant plus de spectacle, presque déçus que ce soit déjà fini. Peu de nos voisins avaient l'air attristés. De toute manière, même s'ils l'avaient été, il fallait tout de même qu'ils insistent à cette purification, sous peine d'être eux aussi suspectés d'avoir participé de près ou de loin à des pratiques occultes. Le juge Thorburn n'avait pas manqué de faire l'éloge de son savoir, vantant sa connaissance en démonologie, tandis qu'il instruisait le procès à lui tout seul dans l'église de Dalwhinnie. Ma mère n'était plus qu'à demi consciente au moment où l'inquisiteur justifiait la sentence, et c'était peut-être mieux ainsi. Elle était couverte d'hématomes violacés, qui laissait transparaître des petits os du visage brisé en éclats sous sa peau. Son bourreau avait pris soin de lui glisser des petits clous sous les ongles de ses doigts, et je devinais par la présence d'auréoles rouges à la pointe de ses seins que ses mamelons avaient été très tranchés. Mais ce qui me choqua le plus dans cette vision d'horreur, c'était le haut de sa tête. Ses cheveux n'avaient pas été coupés ni rasés, ils avaient été arrachés, faisant luire son crâne là où la chair manquait et où les lambeaux de peau pendaient. J'aurais dû être là, sur le bûcher, à côté de ma mère, les flammes léchant ma chair pour me dévorer. Je me trouvais dans le fiacre du juge, avec son garde. Je n'avais d'autre choix que de fixer ma mère consumée par les flammes. Elle avait tout avoué, être la putain de Satan, sa créature, lui donner des enfants encore dans le sein de leur mère en sacrifice, détourner les hommes de leurs devoirs matrimoniaux, faire tomber la maladie et la putréfaction sur le village et me réserver, moi, pure servante de Dieu, pour mes 18 ans en cadeau aux démons. Elle aurait avoué bien plus, tout ce qu'il aurait voulu entendre, même être la réincarnation du démon si le juge l'avait voulu. Mais ses aveux avaient suffi à m'innocenter et c'est tout ce qu'elle voulait. Elle avait compris que c'était le seul moyen de m'éviter d'endurer les mêmes souffrances. Pour ma part, j'avais compris que j'allais devenir la possession du juge. Ses petits yeux vicieux ne me quittant pas une seule fois pendant le procès, même lorsqu'il déclara tout en me fixant, avec un petit rictus complaisant, que ma mère serait étranglée avant le bûcher, une mort plus douce en récompense de ses aveux. J'avais tout de suite été amenée dans l'arrière-cour à l'abri des regards dans la voiture du juge, prête à partir quand il le faudrait. La fumée me piquait les yeux, ou bien était-ce les larmes?
Je devinais que mes cheveux et mes vêtements devraient être imprégnés de l'odeur du corps calciné de ma mère. À cette pensée, je crus devenir folle. Je voulus m'arracher les cheveux pour ne plus sentir cette odeur. Mais mon geôlier me retint par les bras et réussit sans mal à me maîtriser, malgré les coups que je lui assénais. Je choisis ce moment-là pour vomir la bile qui emplissait mon estomac depuis 3 jours. Le garde me soutint avec une douceur qui m'étonna. Il me tint les cheveux, tandis que le liquide verdâtre coulait sur ses bottes. Je m'éveillais dans une chambre qui devait être à elle toute seule plus grande que la chaumière que nous occupions ma mère et moi. La pièce était baignée par la lumière du soleil et je devinais que nous devions nous trouver au milieu de l'après-midi. J'avais donc perdu connaissance depuis une demi-journée, ce qui m'avait permis d'éviter de me retrouver dans la voiture en tête-à-tête avec le juge. J'avais été lavée et l'on m'avait revêtue d'une chemise de nuit blanche brodée de fils d'argent qui jurait avec ma chevelure noire corbeau. Dieu, comme cette couleur de cheveux avait été sujet de conversation avec nos voisins, alors que ma mère, en pure écossaise, était dotée d'une chevelure rousse comme les feuilles d'un chêne en automne. J'enfilai la robe de chambre en tartan posée sur le lit et entrepris de visiter la pièce. Elle était quelque peu spartiate par ses dimensions. On y trouvait un grand lit et son chevet, face à une cheminée de taille démesurée. Entre deux fenêtres reposait un secrétaire avec une plume, son encrier et du papier, ainsi qu'une coiffeuse, avec tout le nécessaire de toilette adossé au mur opposé. Enfin, une petite table ronde où était posé un bouquet de fleurs composées de piment royal complétait le tout. Les meubles et teintures étaient de noble qualité et de couleurs vives. Cependant, la pièce faisait vide, froide et sinistre. Alors que je m'approchais d'une des fenêtres pour voir l'extérieur de ma nouvelle geôle, la porte de la chambre s'ouvrit avec fracas. Une vieille femme ronde, probablement une servante, en jugée par son tablier, se précipita à grands pas vers moi. Je fus surprise de la rapidité à laquelle elle se déplaçait malgré sa petite taille. « Vous êtes enfin réveillée ! Vous n'auriez jamais dû vous lever, et le juge sera furieux s'il vous arrivait quelque chose !» Puis, elle m'agrippa les hanches de ses petites mains boutinées pour me pousser jusqu'au lit. Je compris que le parquet m'avait trahi. À chacun de nos pas, il émettait un grincement menaçant. « Je vais demander aux cuisines que l'on vous fasse une bouillie d'avoine. » « Il faut manger pour reprendre des forces. Mon Dieu, vous n'avez que la peau sur les os. » Elle continua à psalmodier encore quelques minutes sur l'état de mes cheveux qu'elle avait eu tant de mal à démêler, la crasse sous mes ongles et la saleté qui recouvrait mes vêtements. A priori, une jeune fille ne devrait jamais être présentée comme cela dans la maison d'un juge. Je me demandais si elle savait que j'avais passé 3 jours dans un cachot, que ma mère était morte brûlée vive devant mes yeux après avoir été torturée sous les ordres de ce même juge qui me détenait aujourd'hui dans cette demeure. J'ai envie de la gifler tant la colère m'envahissait, mais la force et le courage me manquaient. Alors, je la laissais me border tel un nouveau-né, tandis qu'une boule aigre se formait dans ma gorge. La servante revint quelques minutes plus tard avec la mixture du pain et de l'eau. Je crus d'abord ne rien pouvoir avaler, mais je ne m'étais pas aperçue que j'avais si faim. De plus, la bouillie n'était pas mauvaise. Après avoir dévoré mon assiette, je me laissais emporter par la douce chaleur provenant de l'âtre, dont les flammes m'envoyaient des coups lointains, des hurlements tourmenteurs. Puis, je sombrai dans le noir. Lorsque je rouvris les yeux, mon plateau avait été débarrassé. La pièce baignait dans la pénombre, où seul le feu assassin de la cheminée faisait rougeoyer ici et là les recoins de ma chambre, donnant l'impression que la pièce était réveillée, prête à me dévorer en me serrant entre ses murs, telles les mâchoires d'un démon. Voilà, donc j'espère que cette lecture vous a plu et vous a donné une petite idée du reste du roman qui est dans le même esprit. Je remercie notamment le coin des auteurs de m'avoir offert la possibilité de faire cette lecture et de me faire connaître. Et sans vous, lecteurs, on n'est rien, donc n'hésitez pas à commenter, et voilà, que ce soit positif ou négatif, dans tous les cas, ça m'aidera toujours à évoluer et à faire mieux, j'espère. Voilà, au revoir.